Ratko Mladic refusant de s'exprimer, la Cour a considéré qu'il plaidait non coupable, conformément au règlement du tribunal. Cherchant à gagner du temps, il a demandé un délai de 3 mois avant de plaider coupable ou non des chefs d'accusation pesant contre lui. Insolent et agité, Mladic a été évacué de la salle en cours d'audience, provoquant volontiers le public. Il a interrompu à plusieurs reprises le président du tribunal, Alfonso Ri. Lors de sa première comparution devant le tribunal de La Haye le 3 juin dernier, l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie avait rejeté les 11 chefs d'accusation pesant contre lui. Il doit répondre de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre en Bosnie. Âgé aujourd'hui de 69 ans, on le soupçonne d'être l'un des principaux artisans d'une entreprise criminelle visant à chasser à jamais les musulmans et les croates de Bosnie. The court orders that you be removed from the courtroom. Il est accusé d'être responsable du massacre de 8000 musulmans à Srebrenica en 1995 et du siège de Sarajevo qui a duré 3 ans et demi.